Yo les gars, c'est Ensio, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors les défis exploration sont finis, donc c'est parti, on enchaîne avec les quêtes de la semaine parce qu'ils se suppriment dans 7 jours. Donc c'est les derniers défis à faire, j'en ai déjà fait quelques-uns comme vous pouvez le voir, mais vous inquiétez pas, ils sont déjà tous filmés en vidéo, donc ils sont déjà prêts, mais je les ai tournés à l'avance parce qu'il y en avait qui étaient trop simples et donc je les ai fait à l'avance pour pas les faire sans faire exprès. Les quêtes quotidiennes, je vous les ferai pas en vidéo parce que c'est aléatoire et puis on s'en fiche un petit peu. Dites-moi si jamais il y a des quêtes quotidiennes que vous n'arrivez pas à faire et je vous aiderai dans les commentaires, mais je ne ferai pas de vidéo parce que ça se change tous les jours. Et les quêtes d'étapes, pourquoi pas faire une vidéo? Mais bon, c'est quand même sur 20 étapes, ça se fait toute la saison, donc on verra. Et ça, on l'a fini. Du coup, on va lancer la game tout de suite. Hop, on n'oublie pas le code créateur ENSQ dans la boutique Fortnite ENDSQW s'il y a au moins 5 personnes qui le mettent. Alors là, je vous offre des cadeaux dans tous les sens. Hop, on accepte. Je suis un petit streamer YouTuber, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est super. Aujourd'hui, on va faire ce défi-là. Des coffres dans des points chauds. Il faut en faire 3. J'en ai déjà fait un, mais vous inquiétez pas. On fait comme si je l'avais jamais ouvert. Et je vais quand même en ouvrir 3 devant vous. Pour vous montrer que c'est possible en une seule vidéo, sans montage. Donc c'est parti. Le petit temps de chargement va être un petit peu long dans le lobby, vous le savez, mais bon, comme on parle ensemble, c'est pas très grave. J'espère que vous avancez pas la vidéo, parce que c'est pas cool d'avancer la vidéo. Pour me soutenir, il faut regarder jusqu'au bout, sans avancer. Donc si jamais vous avancez, c'est pas grave, mais bon, je vous en veux pas, mais c'est quand même pas sympa. Et puis voilà, pareil, si vous avez des pubs, faut bien regarder. Moi ça m'aide, vous c'est gratuit, ça vous prend 5 secondes. Pareil pour le code créateur, c'est gratuit, et moi ça m'aide. Donc tout ce qui est gratuit pour vous, faut le faire les gars. Faut pas être feignant dans la vie. Faut aider ses potes. Hop. J'ai un petit skin Bambi, c'est mon compte secondaire, je vous l'ai déjà dit. Et puis la petite pioche, on peut l'avoir gratuitement dans les défis exploration, même si vous n'avez pas le pass de combat. Et aussi cette émoticône, très jolie. Et ça, c'est dans les défis adoubés, je crois. Donc voilà, tout est gratuit. Vous regardez mes vidéos, je vous explique tout de A à Z. Et s'il y a des défis que vous n'arrivez pas, pareil. J'ai une playlist quête Fortnite chapitre 4. Ou sinon dans l'onglet vidéo de ma chaîne YouTube, vous descendez un petit peu, vous lisez les titres, tout est dans l'ordre normalement. Et si c'est pas sorti dans le bon ordre les vidéos, parce que des fois il y en a que je tourne en avance, regardez dans ma playlist quête Fortnite chapitre 4, tout est dans l'ordre, j'ai tout trié. C'est d'abord les quêtes didacticielles dans l'ordre, ensuite etc etc. Les quêtes d'exploration sont pas dans l'ordre, mais elles sont regroupées ensemble. C'est-à-dire que par exemple, si la première quête c'est atterrir sur l'île, elle sera peut-être pas tout en haut, mais elles sont regroupées entre elles. Par contre, les autres quêtes d'étapes adoubées sont toutes mises ensemble et dans l'ordre. Donc voilà. Donc pour faire ce défi, vous allez voir, vous allez devoir atterrir à un point chaud. Donc là, j'ai de la chance, c'est dans des villes que j'ai déjà visitées, c'est pas là. Mais si c'est dans des villes que vous n'avez pas visitées, les trois petits points seront en jaune. Donc là, vous voyez qu'il y a trois villes en jaune. Il faut savoir que vous pouvez avoir aussi des fois seulement deux villes. Une ville, je ne suis pas sûr, mais ça peut arriver que ce soit seulement deux villes, trois villes ou une ville. Peut-être quatre aussi, je ne sais pas. Et donc dans ces trois villes, vous allez aller à l'endroit le moins dangereux. Donc la citadelle, vous pouvez oublier, c'est trop dangereux, il y a trop d'ennemis. Pourquoi? Parce que là, nous, on veut faire nos défis. Et donc ça sert à rien d'aller dans une ville trop peuplée. Celle-là, elle est quand même pas mal peuplée, surtout il y a pas mal de défis. Mais Faulty Splits, c'est quand même la nouvelle ville, un petit peu Pleasant Park. Donc on va éviter. On peut voir directement qu'il y a un marteau ici. Donc on va le récupérer pour faire nos défis juste après. Hop. On va ouvrir des coffres. Je vous conseille d'activer l'option pour voir les coffres. Moi, je ne les vois pas parce que je n'aime pas du tout cette option. Parce qu'il faut savoir que l'option pour voir les coffres, etc., les bruits de pas, c'est une option qui est destinée aux personnes sourdes qui n'entendent pas les bruits. Donc moi, c'est pour ça que je la mets pas parce que je trouve ça pas cool et ça respecte pas nos amis sourds. Donc je ne l'active pas. Parce que moi je peux entendre les bruits, donc je ne le mets pas. J'espère que vous me comprenez. Du coup, pour les coffres, après les gars, je connais pas non plus les villes par cœur, hein, mais vous cherchez un petit peu. Hop, voilà. Vous vous baladez un petit peu dans la ville, vous faites attention de ne pas vous faire tuer. Hop, dès que vous voyez un coffre, hop. Après, vous pouvez activer l'option sourde, donc les bruits de pas, etc., juste pour le défi, et puis après vous la désactivez. Mais comme je vous l'ai dit. Si vous êtes pas sourd les gars, vaut mieux pas en profiter, c'est pas là pour ça normalement. Et vaut mieux jouer comme tout le monde. Et donc voilà, j'ai réussi le petit défi, comme on peut le voir, ouvrir des coffres dans des points chauds. Il en fallait 3, on a réussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, pensez au code créateur NSU dans la boutique Fortnite.
Je ne vais pas quitter la partie comme d'habitude parce que j'ai deux marteaux et il y a un défi à faire avec les marteaux. Je vous réserve la vidéo pour plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais donc c'est pour ça que je ne vais pas quitter la partie, mais comme d'habitude, c'est pas grave. Code créateur NSQ, le petit pouce bleu, l'abonnement et le petit commentaire pour me soutenir. Sur ce, les gars, allez, ciao!